Hey! Salut à tous, ici Onimusha et bienvenue pour l'épisode 10, il me semble, de Pokémon version rouge sur GBA toujours. Et aujourd'hui, je commence bien par l'intro, enfin par l'écran titre, parce que aujourd'hui, pas le temps d'avoir des. Des anecdotes, l'épisode va être long, on doit traverser la grotte. Les Pokémon de cette année, les monstres sont plus ou moins forts que d'autres! Oui. Je crois. Bref. J'ai vendu une pépite pour 5000 Pokédollars! On m'a dit qu'il y a des spectres à l'avant-ville! Eh bah, ça tombe bien parce que c'est là-bas qu'on va se rendre. Allez, c'est parti! On va traverser cette grotte maudite. Grotte, qui s'appelle juste grotte. Alors comme vous pouvez le voir, il fait extrêmement clair. Merci de se faire un petit. Ça faisait longtemps, effectivement. On retourne dans ton antre. Alors j'ai bien évidemment mis ça à la mèche devant. Reptincelle devant, comme d'habitude. Ah. Oh non, Reptincelle, t'es sérieux? Et bah ça commence bien la vidéo. Donc oui, on va traverser la grotte. À l'épisode précédent, on avait battu le Major Bob et on s'était rendu ici. Donc là, on va traverser cette immense grotte. Comme vous pouvez le voir, il fait très très noir. Mais heureusement, même le menu est noir. On a capturé Voltorb et je lui ai appris Flash. Et là, magie, il fait toujours. Et donc là encore beaucoup de dresseurs. Oh! Rakeli, on dirait qu'il est une banane en fait. On dirait qu'il a des cheveux, une banane. Baston Pokémon! Prêt! Go! Et en fait, son doigt, on dirait un peigne. Oui, je sais, c'est bizarre. Oh! Pokémoniaque! Un Osselet! On n'a pas vu d'Osselet encore. C'est le premier. Donc bien évidemment, le feu est faible face au sol, mais c'est pas très grave. Je pense qu'on peut s'en sortir. Ouh, on peut largement s'en sortir. Et donc j'avais hésitation hein, sur mon sixième Pokémon, mais maintenant, ça y est, j'ai trouvé mon sixième Pokémon. Donc on l'aura après, entre les deux prochains badges en fait. Ah merde, oui, je suis con. Mais je suis plus rapide. Désolé. Et ouais, c'est du cheat, mais... C'est pas grave. Sérieux, c'est tout. Prise de risque. Ce Ramolos. Ça n'a pas été la première fois que vous en voyez, je crois. Easy! Oh, Buck est déjà déglingué, quoi. Game over! Bon, j'ai une petite potion pour lui, normalement. Ouais, voilà, j'ai encore ça qui traîne. Hop! Et voilà, ça devrait le faire pour le moment. Ouais, oh, Machoke! Coucou, toi! Pas de raison que je m'attarde sur toi. Et toi non plus, encore moins. En fait, j'ai que l'épisode va être long, mais ça se trouve, il va être super court. Je dessine des Pokémon quand je suis tout seul. Cool, non? C'est cool. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui dessine très très bien les Pokémon. D'ailleurs, si vous êtes dessinateur de Pokémon, enfin dessinateur tout court, n'hésitez pas à laisser
à poster des fanarts. Putain, j'ai vraiment que Rattata qui est efficace contre les Pokémon Psy. Enfin, j'ai Rattata aussi, mais vu que Ramoulf est de type O. Ah, pas Croc de mort. Oh, purée. Bon. Bah, il attaque. Niveau 25. Ouais, j'avais pas prévu ça. Hop, caché. Hop. Oh, il m'aurait entravé le tunnel à ce moment-là. Oui, je suis crevé. Oui, donc j'étais en train de penser, je crois qu'il faut une... Je sais pas si on peut poster des images sur YouTube ou dans les commentaires. Je ne sais pas. Bah, si vous avez des fanarts, vous le dites, et puis on s'arrangera. Ah, foutez-moi la paix! Mais j'ai pas un repousse qui traîne. Parce que... ça serait le moment de le claquer, en fait. Et qu'après, j'en aurais pas besoin. Et non, bien sûr que non. Foutez-moi la paix! Je sais plus s'il y a un objet au bout ou pas. Ah oui, je connais le chemin par cœur, mais par contre, je sais plus où sont les objets. Ouais, il devait y en avoir un, mais il est caché, c'est pas grave. Ce taux de rencontre dans les grottes, il est juste obscène, quoi. Ah, et toi, t'as un bug bizarre, je crois. Je suis paumé, mais... Ah, l'attaque. Parce que toi, il me semble que t'as des Pokémon de type plante, en général. Dont un bug bizarre. Il me semble. Un bug bizarre ou un air bizarre? C'est l'un ou l'autre. Je suis quasiment sûr. Ah non! Ils se sont ligués contre moi. Oh, Volvic. Mais c'est pas très efficace. Hein. Ben oui, mon ami. Hein. Allez, but bizarre. Non, bah je vais garder l'étincelle. Un but bizarre niveau 22, qu'est-ce que c'est gâché? Quel gâchis, quel gâchis. Bon, comme ça, on n'en a rien à foutre de la paralysie. Hein. J'annonce... Noker. Oh, perdu. On va quand même le soigner. Ah. Connais-tu les dresseurs costumés? Ah oui, c'est un dracologue, un truc comme ça, lui. Ah non, pas lui. Pokémaniaque. Bon, ça la mèche. Oui, donc je voulais dire, après cet épisode-là, ou l'épisode suivant, ou après l'épisode suivant, je ferai une petite séance d'XP histoire de monter niveau 30, 35, par là. 35, ouais. 35, ça me paraît bien. Pour être un sèche, par là. Et les autres 33, 34, par là. Osley, bah tiens, j'ai un petit fer au singe pour toi. Critique, mais il est résistant, le petit. Un rugissement. Frappe à classe. T'as lui fait perdre 25 PV. Ouais. On va terminer avec un petit combo griffe, ça devrait être bon.
Gucci, quoi. Se faire au singe, se faire au singe, c'est le faire au singe des coups critiques. Ben, ah ben c'est ça. Ouais. Ah oui, c'est vrai. On va essayer ça. Mes Pokémon vont te faire pleurer. Viens te battre, Hagrid. Hop, caché. Tu peux l'avoir avec Vivatak. Ouais. Oh là là, il prend cher Rat Attack. Il prend cher. Ha! Et je pleure. Hop. Donne-toi à fond, mon mignon. Monsieur, j'ai que 10 ans. C'est chelou. Bah, chaud que. Alors, Rattata, tu vas te barrer d'ici. On l'avait toujours pas vu, ça me manquait. Paralysé! Bon, ça ne fonctionne pas. Mais. Petit coup de corne. Ouais, petit coup de corne tranquille. Et bah non, je vais pas changer. Le combat va être super long, mais non, je ne changerai pas. Oh, le combat va être long. Ah, empoisonné, c'est ce que je voulais. Désolé pour vos oreilles. De toute façon, tu peux y aller, hein. Tu peux me baisser ma défense, hein. T'as pas d'attaque, donc du coup... Voilà. Voilà, c'est ce que je disais. Aucun point d'attaque, Onyx. C'est un tank, mais alors il ne peut pas du tout attaquer. En attaque, il sert à rien. Ah, je suis à moins 4. Bon, allez, hop, on claque le mania. Bim. Ça tue. Oh zut. Bon, bah, hop, casse-toi. Bien. Mince, détruit. Bon, je claque mes potions parce que bon. Comme ça, j'en aurais plus à traîner. Voilà. Et voilà. Oh, encore ? Encore des montagnards ? Il est long ce tunnel. Oh oui. Oh oui, il est long ce tunnel. Oh là là. Un racaillou. J'ai envie de tenter une flamèche pour voir. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Oh, coup critique, d'accord, ok, j'ai un. Oh, c'est bon, hop, salam, enfin, reptancel, finis-le. Bien, Reptincelle monte au niveau 30. Faire au singe, tiens. Il a encore toute sa vie. Mmh.
Ultima point, parce que... Ouais, d'accord, ok. Alors, Ultima point, ça va être la première attaque à dégager. Ah, c'est coup critique. Bon, on va jouer au coup critique, si tu veux. Voilà. Ah bah, il veut jouer au coup critique, on joue au coup critique, hein. Ah, tu l'as pas réussi. Allez, hop. Prends ta peine. Mais non, mais... Bon, finalement, faut faire en sorte que je ne vais garder qu'une seule attaque durant tout le long du jeu. Oh là là, il va mourir à cause de ça. Coup critique. Oh là là. Bon, on va garder que pour karaté. Oh là là, féroce singe, sérieusement. Rakayu. Bah du coup, on va prendre un rat-attaque. Hein. Hop. Ah, dommage. Oh, coup critique. Non. Je me suis trompé. Hop là. Oh, bah coup critique. Donc rat-attaque. Rat-attaque, il est en feu. Oh, t'as gagné. Allez, on va repasser Nidoking devant. Oui, on va se faire tous les dresseurs. Bon, bah, je suis perdu. Effectivement. 3 Pokémon. Ok, ça commence bien. Niveau 20. Allez, même technique. Oh bah, hop, premier coup. One shot. Très bien. Moins 2. Moins 2 en défense, hein, c'est ce que je dis. Si vous vous demandez pourquoi je dis moins 2 et moins 4 au match précédent, c'est pour ça. Hein. Vous critiquez ça? Sérieux? Allez hop, mania. On termine. Prochain tour, il est mort, c'est sûr. Oh ? Ouais. Je le fais tellement, hein, tellement rarement. Allez, vers toi. Onyx encore ? Mais il a que ça ? Féroce singe. Je crois en Féroce singe, je veux qu'il se rattrape. En première génération, il y a un type combat, hein, mais il n'y a aucune attaque du type combat quasiment, à part balayage. Ultima Mawashi, Ultima. Non, même pas. Mawashi Gary. Mais ils émergent. Ah, mais en fait, ils. Oui, ils ont pas de PV, le Onyx. Ils ont juste de la défense, rien d'autre. Bon, bah écoute. Ça ressort, je passe au niveau 26. Parfait. Rakai. Bon, on va laisser faire en singe. Et là, motivé. Allez, on y croit. Donc plus de vie, mais pas assez. Hop. Hein? C'est quoi qu'il faut que je fais? Oh là. Bah on va laisser Nidoking devant en fait. What? Ah oui. Un profane comme toi me doit le respect. Mais t'es quoi? T'es trop pour qui? Un prêtre? Voilà, ils ont que deux Pokémon. Hein. Blocage. Oh là là. Oh, paralysie! Ça m'arrange pas des masses, mais.
Ah non. Bon, mania. Très bien. Salut. Voilà, c'était la fin. Parfait, ça m'arrange. Il est qui passe au niveau 26. Très bien. Gravalanche. Ah, on passe au level 2. Gravalanche est l'évolution de Rakayu, pour ceux qui ne savent pas. Oh, j'ai eu chaud! Wouah! J'ai eu chaud! Faut savoir que Destruction tue le lanceur, mais fait énormément de dégâts. Ratatat, on apprend de puissance? Non. En puissance, ça a pour effet d'augmenter les coups critiques, sauf qu'elle est mal programmée en première génération, et fait diminuer le taux de coups critiques, en fait. Et les annule, je crois, carrément. Perdu ? Alors ensuite, qui c'est qui est pas 26 ? Ah bah Arbok, Arbok qui est derrière. Y'a rien. On est bientôt arrivé. Hein. C'est l'avant-dernier. L'avant-dernier tableau, si je me souviens bien. Alors là, vous avez l'impression que c'était pas rapide, peut-être. Enfin, c'était pas long. Mais c'est parce que je connais la map. Mais imaginez quand vous connaissez pas la map, que vous faites comme ça, vous allez partout, vous faites ah, où c'est ? Où c'est ? Et que vous vous perdez en fait. Et là, si je dis pas de conneries, il n'y a plus de montagnards, donc on peut y aller. La nature, c'est beau. Présente-la-moi ta nature. Oh, gros doudou. Là, moi, j'ai Arbok, il est aussi mignon. Bon, il a pas fait berceuse. Allez, tranquille. Roucoule. Bon non, je garde Arbok, il est très très bien Arbok. Oh là la trouille. Oh c'est dommage. Bon bah je t'aurais déglingué. Oh Asuka. Je sais qu'il y a un objet quelque part. Alors il y a d'autres, hein. J'ai loupé plein d'objets cachés là-dedans. Mais je sais pas spécialement où ils sont et j'ai pas envie de chercher pour tout vous dire. Je crois qu'il y en avait un par là, mais c'est pas grave. Allez hop. Je crois que l'objet il est... Ah il y a encore un montagnard. L'objet il est en bas à gauche là, en fait. Mais quelquefois que... Juste avant le combat, foutez-moi la paix. Ha ha ha, je suis trop fort. Ah mais c'est de là en fait que Bob Layden tient sa réplique. Bon c'est tout maintenant. Oula, empoisonné. Putain. Je crois qu'on a perdu Arbok. Il passe au niveau 26, c'est irrespect du Arbok. Oui, on change, on change, on change.
Ratatak. Il peut se cacher. Cache-cache! Ouais, ça va. Putain, il y a encore le coup critique sur le tunnel. Oh là là. Et Gravalanche, alors lui il va se détruire, c'est obligé. Hop, caché. Non, boule armure, ok. Je vais devoir claquer deux tunnels pour le tuer, je pense. Ouais. Ok, on se recache. Oh, il se buff. Je peux même pas réussir à le tuer, ça se trouve. Ah, si, c'est bon. Il était à plus 3 en défense. Oups, niveau muscle, 0. Bon, on va soigner Arbok. Arbok qui aura pris cher hein, durant le trajet. Voilà, bien joué. Donc du coup, il a quand même, il est quand même monté de niveau. Moi, je vais le laisser, tiens. Je vais le laisser. Écoutez, bah, il me semblait que l'objet était ici. Bon, comme quoi. Comme quoi, comme quoi. Je ne me rappelle pas de tout. Putain, le mec il m'a spawné dessus quoi. Tiens, un Pokédex ? Achève fait ! Nah. Oh, Ramalos ? Ah, Ramalos, pardon, oui, bah voilà. Ah, mais oui, mais je suis con, morsure, c'est pas l'attaque ténèbres, putain. Comment t'aurais pris cher en 2G, Ramalos ? Le 1 PV. J'aimerais bien que Arbok apprenne quelques attaques. Du genre intimidation en fait. Ramolos. J'ai que Ratatak qui peut faire quoi que ce soit contre eux quoi. Billy. J'ai dit l'attaque et c'est fini. Il est passé de niveau 28 avant tout le monde, lui. Avant tout le monde arrive niveau 27. Super efficace ce Pokémon. Hein. Peu de gens le prennent à Ratatak, mais il est vraiment super efficace. Hein. C'est la preuve en image, hein, de toute façon. Hein. Zut, je suis jaloux. Moi-même, c'est la première fois que je joue Ratatak. Alors là, mes petits amis, vous allez tellement souffrir. Mes petites amies. Hop, dans le noir, fais gaffe où tu mets tes pieds. Joli. Ah oui, un Chitiflore. Ah oui, mais ils ont beaucoup d'attaques spéciales, c'est vrai. Donc j'ai pas les one-shot. Enfin de spécial simplement, y'a pas d'attaque spéciale. On fera avec. Je le fais, oui, je vais changer. Je vais mettre ni de King, tiens. Par infliger des altérations d'état. J'ai rien compris. On t'en veut pas. On est parti. T'as des Pokémon? Ok. Basta! Désolé si je vous ai explosé les oreilles. Oh, cool. T'as un Roucoule niveau 19 quoi. T'aurais pu avoir un si bon Roucoups.
Non, je bougerai pas. Hein. Je laisserai l'étincelle, il fait le taf. Hein. Toi, je vais y aller avec griffes même. Attends, celui-là il est posé là, il est bien. Hein. Bon, par contre, ils n'ont pas de spécial. Hein. Chétifleur, l'autre il a tout juste résisté, donc celui-là est niveau 19. Niveau 19, je suppose qu'il va prendre cher. Ouais, coup critique. Blablabla. T'es un dur, toi! Et voilà, c'est la fin. Hop! Je regarde de juste, voilà. Je vais de loin pour ces Pokémon! Ça y est, on va enfin sortir de la grotte, mes amis. La sortie, elle est juste en bas à gauche, là. Cette grotte, c'est un véritable cauchemar. Alors là, quand on... Moi, je l'ai fait tellement de fois que maintenant, elle me paraît courte. Mais à l'époque, les premières fois, je vous jure, c'était... Oh, c'était prise de tête. Non, non, le temps, celui-là, il est là, il bouge pas. Potentiel aussi, ce serait bien qu'il ait une nouvelle attaque. Oh, plus de Pokémon. T'as rien sur la gauche, on s'en tient dans un objet, on s'en fiche. Ouh. Ah, t'es que niveau 13. Ah, je ne résiste pas à l'envie de te tuer, enfin de mettre KO. Bien joué. Humiliation? Ouais, coup critique. Bien joué. Niveau 31. Grotte, Azuriel avant ville. Et voilà. Ah, oh, on prend une échelle, on sort par une porte. Ok. Alors, on va passer Nidoking devant. Coucou. Cette randonnée m'a épuisé. Dresseur junior femelle veut se battre. Il s'appelle un recul. Ouais, coup de cornet. Qui est très efficace, visiblement. Ah bah voilà! Enfin un Roucoups, enfin une qui a compris! Oh la vache! Cette dinde de Thanksgiving, quoi! Au revoir! Ouais, je laisse tomber. Grotte, ok. Ratatac, on va avoir besoin de toi! Calme mon vieux, du calme. Ce n'est que moi. Oh, je n'ai plus que deux. Bon, on fera sans. Hein. Onyx, parfait, ça m'arrange en fait. Hop, feu au singe. Je crois que le mec d'en dessous a un Gravalanche encore. Il me semble.
Ha! J'en ai pas assez les nerfs. Ah, l'air de la montagne, c'est vivifiant. Ce qui est vrai, ça fait toujours du bien de respirer du bon air, le plein air, pardon, en montagne. Toujours quelque chose d'agréable. Onyx, très bien. J'en ai plus qu'un. Si tu voulais mourir, ça serait bien. Ah, oh, t'as tellement de défense. Oui, t'as pas de BV, donc... Ouais, ça compense pas assez. C'est ça, il a un Gravelanche. J'ai que faire au singe. Hein. Ratata qui est HS. Hop, on revient. Donc je vais montrer mes Pokémon, pas dans le prochain, mais dans celui d'après. Donc en gros, juste avant le champion. Ben, me voilà tout vivifié. Ah, mais j'ai encore pu Ratata contre eux, là. Oh, pardon. J'ai accéléré le temps sans en faire exprès. De l'huile, je crois. De l'huile max. Ça, c'est encore un Pokémoniaque avec un Ramolos. Et un Ousley. Il a un Ousley, je crois. Hé, hey, gamin, tu veux voir mes Pokémon? Je crois qu'il a un Ousley et un Ramolos. Comme les autres, en fait. Ouais. Bon, Ratata, je suis désolé, mais je crois que dans les prochains épisodes, on va pas beaucoup t'utiliser. On t'a vu assez dans celui-ci. Il sera puni! Voilà, ça t'apprendra à être trop fort, tu seras puni. Puis dans l'arène, de toute façon, on ne verra même pas. Non. Désolé. Oh là là! Yeah, mes Pokémon! Et nous voici à l'avant-ville. Non mais par contre, tais-toi. Laisse la musique de l'avant-ville. Voilà. Tout nouveau, Scope Sif, voir l'invisible. C'est bizarre. On va discuter aux gens de ce pays-là. Des spectres sont apparus dans la tour Pokémon. Ils doivent être les esprits des Pokémon tués par la Rocket. La Team Rocket. L'avant-ville, le pourpre de la noblesse. Donc là, qui est de couleur lavande. Paix à l'âme des Pokémon. Tour Pokémon. Donc là, vous voyez pas, parce que je te rappelle, l'arôme est en noir et blanc, c'est l'arôme originale. Mais l'arôme couleur... Donc la ville est de couleur lavande. Crois-tu au spectre? Bien sûr. Vraiment? Il en faut. Ok. Cette ville est le cimetière des Pokémon. La tour Pokémon est le lieu de recueillement. Bénévolat de l'avant-ville, maison Pokémon. Allons voir. Oula. Ce sacré Monsieur Fuji n'est pas là. Où est-il? Grand concours de dessin de Pokémon. Le formulaire d'inscription est... Hein? Il a disparu. Voici la maison de Monsieur Fuji. C'est vraiment un chic type. Il est à la recherche des Pokémon orphelins et abandonnés. Je suis en train de paumer dans mes touches. Oh, Psycho Guac! En dessous. Pas besoin de me soigner. Salut! Je déteste cette méchante Rocket! La pauvre mère de Ousley! Elle est morte en essayant d'échapper à la Team Rocket! Lelei! Oh! C'est Lelei! Oh! Salut tout le monde, je suis le grand donneur de nom! Dis-moi petit, tu serais pas du genre à vouloir donner un petit nom à tes Pokémon? Pas du tout. Alors petit, t'es content?
Venez voir quand tu veux. C'est-à-dire jamais. Une échoppe, voyons voir. Je cherche des objets permettant d'augmenter la puissance d'un Pokémon en combat. Attaque plus, défense plus, spécial plus et vitesse plus. C'est ce que je cherche. Si tu veux, je peux en trouver. Oui, dans la prochaine ville. Mais ça, ça sera dans le prochain épisode. Connais-tu le rappel? Il permet de réanimer un Pokémon KO. Je vais acheter des super potions. Oh, je peux en acheter... Ah non, je peux pas en acheter 99. J'en ai acheté 10 déjà. Des rappels, je vais en acheter 10. Voilà. J'aimerais des antidotes surtout. Ouais, 99, allez, blablabla, bourre. Antiparage, je vais en acheter une dizaine aussi. Et voilà. Oh, attends. Du coup, j'ai combien d'antidotes là? 99. Et plus 3. Ah oui, j'en ai 3 en rab. Ouais, bon, ouais, écoute. Finalement, tiens, je t'en vends 3. Je te les offre, quoi. Vu le prix, je te les offre. Allez, hop. Je vais racheter 3 super potions, par contre. Parce que ça peut être utile. On a des longues routes à faire. Ce sera pratique. Hop, hop, et hop là. Bien. On ira dans le tour de la Grandville plus tard. Hein. C'est une quête annexe, on ira plus tard. On va parler à eux d'abord. J'ai vu la mère de Osley se faire tuer par la Team Rocket. Mais ils étaient tous là ou quoi? Les Osley portent un crâne, non? Certains seraient prêts à en payer le prix fort. Mais un crâne de quoi? La Team Rocket ferait n'importe quoi pour de l'argent. Bien, alors déjà... Voltorb, merci de nous avoir accompagné tout le long de ce périple, mais on va te stocker parce que c'est pas que j'ai un sixième Pokémon qui nous attend. Mais bientôt quand même, si. Alors casse-toi, mais merci. Merci d'être venu. Voilà. Et voilà, on va se soigner. Et du coup, je vous dis merci d'avoir suivi cet épisode, je ne sais absolument pas combien de temps il fait. Donc encore merci, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, surtout commenter si vous voulez, hein, partager la vidéo, tout ça, vous connaissez. À en parler à vos potes si vous avez des potes qui aiment Pokémon. Et une petite sauvegarde, et moi je vous dis à plus dans le prochain épisode. Hop là, allez, bye tout le monde!